Arrivé à Puerto Escondido et on doit avouer que ça fait quand même du bien, non? Ouais, c'est dépaysant comme pas possible et ça change totalement de l'ambiance de la ville. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu arrives à l'aéroport, t'as une chaleur qui te chope dès la sortie de l'avion. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi ça m'a fait une sensation comme si on était sous les tropiques, quoi. C'est vrai que c'est assez étouffant. Les beaux paysages qu'on voyait du hublot. Ah, on se disait que c'était pour les bonnes raisons qu'on était là, en fait. Ouais. Puis on était en pantalon, notre tenue de ville, Mexico. On est arrivé. Limite en pull, parce qu'à Mexico, ce matin, ouais, il faisait 15 degrés. On est arrivé, il faisait 32 degrés. Je pense qu'un bon ressenti, 35, 36, facile, avec l'humidité. La maison est super sympa. Franchement, ouais, je pense que c'est un bon petit paradis sur Terre. Un petit paradis. La plage est vraiment en face de nous, actuellement. On pense surtout, parce qu'à la base, on devait rester 3 nuits ici. Et partir le 10 octobre, je pense qu'on va déjà repousser de 2 nuits. Ouais. Allez, on vous emmène voir tout ça. Parce que dans notre logement, on a plein d'animaux juste autour de nous. Ouais. Et c'est assez fou, genre là, on a un iguane juste là. Ici, hyper proche. Et moi, personnellement, je n'avais jamais vu de tels animaux avant ici. Bah non, ouais. Puis après bon, il y a des écureuils. Il y a plein d'oiseaux aussi. Ouais, ouais. Très beau. Il y a plein d'oiseaux. Très, en vrai, c'est assez fou de se dire que. En fait, c'est quand même un peu pas la jungle, mais ouais, ils c'est sont beaucoup quand plus même un peu tranquille, quoi. C'est un peu nos moineaux de chez nous, en fait. Voilà, ça change ça des merles fou. Et des pigeons, quoi. C'est ça qui est fou. Ils sont hyper colorés, ils font des cris assez marrants le matin. Un peu comme Guillaume, quoi. Le mercado de la ville nous a fait découvrir des produits locaux et ultra frais comme nous n'en avions que rarement vu. Mais Puerto Escondido, c'est aussi ça. Ryanair, Antoine, bonjour. Aujourd'hui, dégrados. Dégradé ou dégradation, Guillaume? On est plus sur une dégradation. Ah, enculé. Bref, maintenant que je me suis justifié sur la coupe de cheveux que je vais me traîner pendant tout le reste du séjour, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va tester quoi, Antoine? Le surf. Avec notre ami Saoul. On pose pas la question si tu réponds à ma place, en fait. Ok. Putain. En fait, on a rencontré un mec sur la plage. Il nous a dit: ouais les frères, est-ce que vous voulez faire du surf? On vous fait payer pas trop cher.
Du coup, nous, on a dit, bah ouais, on est chaud. On est chaud. On va retrouver Saoul sur la plage tout à l'heure, ouais. Qu'il nous fasse un cours de surf. Un petit cours de surf de 2 heures. Voilà. Donc, pas si pire. Hein. Donc on verra. Première fois pour Guillaume. Oui. Première fois pour Guillaume. On verra ce que ça donne. Ouais. Enfin bref, du coup, on vous mettra des petites images de ça et puis on vous dira surtout comment c'était. Bisous. C'était pas mal, hein. C'était pas mal, on s'est un peu fait couiller par notre prof. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu prendre un vrai cours, hein, je pense. Ouais. Au final, on a accepté la proposition d'un gars qu'on a trouvé sur la plage. On aurait peut-être pas dû. Ouais. Parce qu'au final, il nous a pas vraiment enseigné grand-chose. En plus, on n'était pas sur une plage avec bien des vagues bien agréables. Ouais. Quoi. Bah, c'était des vagues assez... grandes vagues, mais pas fortes. Donc voilà. Quand t'es débutant, faut vraiment... Beaucoup ramer. Beaucoup ramer, mais bon, on a kiffé. Ouais. On a kiffé. Bah, on est retourné à la Puenta, la plage qu'on avait fait au début, pour justement découvrir la face cachée de la Puenta. Qui est cette plage totalement paradisiaque, totalement vide. Regardez ça. On kiffe surtout le paysage parce qu'en fait on est un peu solo sur cette plage. C'est vraiment agréable quoi. Parce qu'en fait voilà, pour vous. Pris la crème solaire dans les yeux. Putain, saleté crème solaire. Fils de. Non, on a dit, on a arrêté les insultes. Qu'en fait tout le long là, il y a plein de baraques de fous. Il y a plein de baraques de fous, on les voit pas très bien, mais je pense qu'avec le drone on verra mieux. Le beau Pacifique. Aquí estoy. Pourquoi Guillaume? Pour San Cristobal de las Casas. Et oui, le Chiapas dans toute sa splendeur. Voilà, ce soir on prend le bus, mais en attendant. 13 heures de bus. On va se régaler. Autant de temps que faire Amsterdam-Mexico. Hein. En avion. En avion. Franchement, c'est la belle vie ici, il fait très chaud. Ouais. On a kiffé. Allez, nous, on a quelques heures de bus qui nous attendent. Pour le reste, on se retrouve dans le chapitre 3.